Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 3 de Little Big Adventure, cette série qui date des années 90, si je me souviens bien. Alors, c'est déjà le deuxième fail, donc c'est la troisième tentative d'épisode 3, parce qu'à chaque fois je me fais capturer et j'ai game over. Et puis bah, j'ai pas trop envie de vous faire subir ça, parce qu'on recommence à partir de la salle... pas là où on est capturé, mais juste à la sortie, où il faut prendre la benne à ordures pour s'échapper, donc c'est pas terrible. Donc je vais essayer une autre chose, je vais parler à ce monsieur. Voilà, sauf que je vais pas acheter de ticket cette fois-ci, je vais essayer de le frapper tout simplement parce que ça me saoule. On va voir ce que ça donne. Ok, ça a l'air de fonctionner. Parce que l'autre... Ah bah ouais, ça me donne même la clé, ah bah voilà. Parce que l'autre gros beau clone qui sortait me faisait carrément mal, me capturait en fait, et puis j'avais game over. Donc on va explorer. Alors vous voyez ces magnifiques graphismes. Lui c'est pas un méchant, je crois. Ah, j'en ai ras la trompe. Il y a quatre caisses dans l'entrepôt et je n'arrive pas à les ranger sur les quatre croix peintes au sol. Ah, je donnerais bien un ticket pour le ferry à qui sera capable de les ranger à ma place. Bon bah voilà, clairement c'est ça la suite pour nous. Il va falloir ranger ces quatre caisses. 4 caisses, j'ai un souvenir que c'était un petit peu un casse-tête. C'est un petit peu le principe du Sokoban, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Alors, voyons où sont les 4 croix. Les 4 croix sont là. Alors déjà, on va faire ceux qui sont faisables. Réfléchissons bien. Je pense que j'ai pas le droit à l'échec. Ça, on va pousser là pour pouvoir passer, et puis ça, on va mettre tout au fond. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Ok. Je vais déjà placer là. Je crois que j'ai déjà fait une connerie en fait. On va placer celle-là. Ouais, vous savez que les casse-têtes, c'est pas mon truc si vous suivez habituellement la chaîne. On va la repousser d'un cran pour la mettre contre le fond. Voilà. En plus, vu que le gameplay est pas terrible, c'est pas évident de se déplacer là-dedans. Voilà, ça je vais mettre comme ça. Et je vais le pousser sur la première croix. Non, pour l'instant, je vais le laisser là. Ça me laisse une marge de manœuvre si jamais je me trompe. Je vais aller mettre celle-ci. Qui va aller se ranger tout au fond. Alors, je vais essayer de pas dépasser, sinon je suis un peu dans la louise. Voilà, je pense que c'est comme ça. Et on va la placer tout au fond. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on fera une. Je pense que l'aspect le plus difficile sera de mettre celle-là. Celle où je suis dessus. Et là, je crois que j'aurais déjà pas dû pousser celle-ci ici. Alors, je vais la mettre là pour me laisser un peu de place pour agir. Je sais pas pourquoi, je sens que j'ai fait une connerie. On va essayer. Ouais, je le sens bien, là. Comme ça, comme ça. Et moi, il faut pas que je me coince dedans, après. Donc, celle-là, tout au fond. On va essayer comme ça. J'avoue que j'ai pas trop le choix sur le coup, là. Ah non, je me suis fail, en fait. Je me suis fail, ou alors je vais pouvoir... Il faut que je pousse celle-là d'abord, là. Voilà. Eh, pas évident, quand même, hein. Je m'étonne même qu'avec mon jeune âge, j'ai réussi à faire ça. C'est là qu'il faut pas aller trop loin. J'ai frisé la catastrophe. Comme d'habitude. Et là... Et là, je peux plus retourner, sinon je me coince. Et oui, je suis coincé, bravo.
Je vais essayer de magouiller un peu. Est-ce que j'arrive à passer? Non. Allez. Voilà, j'essaierai après, je vais pas faire le con tout de suite. Enfin, quoique, je peux peut-être essayer de voir. Ouais, ça va, le jeu n'est pas si salaud que ça, je peux encore me glisser derrière, je vais peut-être pouvoir corriger ma connerie. Peut-être. Je dis bien peut-être. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça. Un peu moins bêtement que je l'ai prévu de base. Voilà, je suis un peu plus calme parce que je fais gaffe à ce que je fais. Encore un petit cran, je crois. Oh, je crois que je l'ai poussé de trop. Bon, je peux toujours pousser dans le sens inverse. Maintenant, on vient se demander pourquoi l'espèce d'italien de mafia, là, mafieux italien, parce qu'il avait un accent italien quand même, avait besoin de pousser ses caisses. On est en droit de se demander. Voilà, alors, le gameplay est simplement ignoble. C'est pas terrible. Voilà, et maintenant je vais pousser l'autre là-haut. Comme ça je pourrais pousser les deux tranquilles sans faire une bêtise. Allez, passe, passe, passe. Voilà. Le déplacement est vraiment, vraiment pas optimisé. Hein. C'est un petit peu c'est un petit peu terrible pour y jouer. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à pousser les deux caisses et je pourrais avoir mon ticket de ferry. J'ai bien cru que j'y arriverais pas du premier coup. Hein. Pas évident. Mais ça va, le jeu est pas salaud, il me laisse me glisser derrière les caisses, même si la case n'est pas complètement occupée par... Ah, on a eu un petit son, alors c'était très discret, qui, entre guillemets, validait la quête, si je peux appeler ça une quête. Et là, le monsieur va être content, et puis il va me donner son ticket de ferry, qui va nous donner l'occasion de partir au loin. Voilà. Ah, cette fois, les caisses sont bien rangées. Merci. Tiens. Voilà ton ticket pour le ferry. Yeah. Tu possèdes un ticket de ferry. Et il est tout content. Il fait l'avion avec ses bras, c'est terrible. Mais il va prendre le bateau. Ah bah l'autre il est nouveau vivant, il a fermé la porte. Donc ce qui m'empêche de sortir. Lui c'est gentil aussi. Bienvenue à bord. Vous avez de la chance. On nous annonce un vrai temps de croisière. Vu la gueule du bateau, j'aurais pas envie d'y aller mais... Voilà, et maintenant il faut que je fasse quoi? Je vais aller là-dessus? Voilà, c'est ça. On a le droit à une belle petite animation. Enfin, belle, tout est relatif. Oula, il est malade en mer, visiblement, le Twinsen. Twinsen, Sen. Je comprends pas pourquoi avoir pris des noms aussi. Ah oui, on se déplace quand même pas mal. Ah, cette musique est juste sublime. Bon, allons parler au petit monsieur là. Je sais pas pourquoi il. Je cherche une amie. Elle des fois que. De oui, d'accord, ok. Baltringue. Alors, courons un peu. J'ai plus beaucoup de vie, moi. Faut que je fasse gaffe à tous ces crétins qui passent là. Bonjour, je cherche une amie. Elle est escortée de deux gros clones. Mais bien sûr, personne ne voit rien. Ils sont tous de mèche avec le gouvernement. J'espère que lui, il va pas m'embêter. On va essayer de faire ça tranquillou. Ah ouais, mais je sais même pas comment je vais sortir d'ici, moi. C'est par là? Non, j'y crois pas. On va la tenter là-bas au bord. Non, je ne peux pas y aller. Si, je peux. Oh là 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 là. Oh, j'aime pas ça. L'autre, il vient vers moi. Je ne sais pas par où il faut aller. Je ne me souviens plus du tout de cette étape du jeu. Oh là là, j'aime pas trop ça. Bon, on va essayer de forcer le passage. Eh ben non. Et en plus, je tombe dans la flotte. Quel idiot. Bon, on va pas passer par là pour le prochain truc. On va essayer de passer sur le côté droit. Mais arrête de tirer, je suis en train de me noyer. Putain, ils se tirent entre eux tellement ils sont blancs. Alors... J'ai pas de nombre de vies, c'est bon, je suis définitivement ici alors. Et si je passe derrière lui pour... Ah ouais, mais non, parce que les caisses là-bas...
Bon, lui, il me voit pas, en fait. Ah si, mais j'ai le temps. Ah ouais, ok, courons, courons, courons. Mais reste pas là, lapin de con, là. Allez, putain, dégage. Ok, donc c'était bien par là. Bon, je passe par là, mais je n'ai aucune idée de où je vais. Je me balade. Je ne sais pas du tout où je suis, ni rien. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Je peux rentrer là-dedans? Oui, je peux rentrer. Ok, un bar. Non, c'est pas un bar, c'est quoi? C'est une librairie? Alors, il y a un bouton là-bas, je sais pas pourquoi. Je cherche une amie. Elle est escortée de deux gros beaux clones. Elle n'est pas là. Je l'aurais remarqué. Nous avons peu de lecteurs aujourd'hui. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Je m'encontre bah, les webs. Ça m'étonne qu'il n'ait pas allé tirer le sonnette d'alarme. C'est qu'ils ne doivent pas avoir ma signalisation ici. Allez. Oh là là, il y a un robot bizarre qui marche derrière. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, mais personne sait. Ah. L'Himalaya, ouais, c'est plutôt l'Himalaya, enfin je pense que c'est un clin d'œil. Ouais, à mon avis ça fait plutôt partie de la propagande du gouvernement que réellement le soleil qui crame tout. Hein. Si ça crame d'un côté de la Terre, ça cramerait des deux côtés. Hein. Mais bon ça... Comment voulez-vous vaincre la propagande d'un gouvernement? Bonjour, je cherche une amie. Oula, oula, oui, d'accord. D'accord, raconte des conneries de toute façon. Je sais même pas où je peux aller, je n'ai aucune idée de là où ça me mène, de ce que je vais y faire. On va essayer de voir l'autre pièce là-bas à côté. Salle de conférence ou je sais pas ce que c'est. Tiens, est-ce que toi tu peux m'apporter les infos? Je peux même pas l'approcher. Ah si. Bonjour, je cherche. J'aimerais bien t'aider, mais vraiment je n'y connais rien. C'est un cinéma. Cinéma. Allez, bonne chance. Bonne chance. Je suis un fan de Star Wars. Normalement, le prochain épisode de la saga doit bientôt sortir. Alors, je pense que c'est un clin d'œil de l'époque à la sortie du Star Wars. Très drôle d'ailleurs. Sachant que tout est déjà sorti. Qu'entre temps on a fait des versions HD, des versions 3D, des versions machin. Okay. Oula, j'ai cru que j'allais me prendre le mur. Alors, qu'est-ce qui me reste comme salle que j'ai pas vu? Je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis pas du tout au bon endroit. Mais bon, tant que je suis là, autant faire le truc en entier. Une porte. Je ne peux pas y aller. Je n'ai pas la clé. Et puis là à côté il n'y a personne. Bon. Bon bah ressortons. J'aimerais bien parler au truc là bizarre qui marche en plein milieu. En espérant que c'est pas un méchant et qui me capture. Alors là ça me foutrait bien la loose. Il est plus là? Si, il est là-bas. Bonjour, je cherche une amie. Je ne sais pas où ils sont. Je regrette. Oh la vache. Je ne sais pas, j'arrache un livre, ça dit. Actionnez une fois le levier du milieu, puis une fois le levier de droite. C'est sûr. Donc ça, à mon avis, c'est bon pour nous. C'est bon à savoir. Je sais pas pourquoi. Attends, je vais voir redescendre dans la... En bas, s'il n'y a pas une pièce, là, on avait vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait pas. Est-ce que là, il n'y a pas des leviers, des fois? Non, je crois pas. Enfin, j'ai pas vu de levier en tout cas. Ok, bam, paye ton mur, bam, ça c'est fait. Bon, sortons, parce que je pense pas que ça se passe ici. Je pense que la solution qu'il m'a donnée, c'est pour autre chose. Je vais voir là-bas tout casser, mais j'y crois pas. Non. Bon, on va sortir, on va voir ce qui se passe ailleurs. Ok, donc j'ai perdu quelques minutes quand même pour rien. Bon, en même temps, ça me glane un peu d'infos. Ça me donne des... Oh là, le garde, il dort. D'accord. Alors, on sait bien que
Les pots de fleurs, bien sûr, il y a toujours de l'argent dedans. Logique, hein. Ça coule de source dans tous les pots de fleurs, il y a des centimes qui traînent. Hein. Dans les poubelles aussi, c'est super connu. Les gens jettent l'argent à la poubelle, ça me semble tout à fait normal. Et voyons ce qui... Oh là, lui, je l'aime pas déjà. Oh là, il court vers moi. Ah, non, je voulais faire un Cosby Show, là. Allez, cours, cours, cours. Ah, et en plus, il a réveillé son poteau. J'aurais bien voulu passer en loose dé. Je pense qu'en mode discret, ça passera quand même pas. Oula, l'autre, il y a carrément la mitrailleuse. Ouais, bien sûr, tire-moi des trucs, c'est pas grave. On va essayer d'aller voir par là, en espérant de ne pas se faire choper. Oulala, oulala, ça, j'aime pas ça. Ouh, cours, cours, Forest, cours. Enfin, cours, Twinsen. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en échapper, mais bravo à moi. Ah, là, il y a de la musique gentille, donc à mon avis... Oula. D'accord. Non, mais ça va, les mecs, ou... On va aller voir là-dedans. Oula. Ah, je rentre direct chez quelqu'un, en fait. Quelle classe. Je cherche une amie. Elle est... On ne fait pas confiance facilement ici. Faut que j'accepte ma clone. Bon, d'abord, je vais lui voler son pot de fleurs et son armoire. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Non. Mais là, à mon avis, il y a quelque chose. Ce qui est pas crédible. Ah, bah oui, j'allais dire. C'est pas crédible. Je veux gagner sa confiance et je fouille dans ses affaires. Elle va mettre une gifle, je sens bien, non? Bon, elle est pas contente. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais assommer un truc tout laid là. Un gros beau clone. Où est-ce qu'il y en a? Je pense qu'il doit y en avoir un peu partout en ville. Ah bah ouais, il y en a un là qui va me frapper. Bon, ça va, il est idiot. Est-ce que si je fais ça, je peux le faire ou pas? Ah mais quel con. Ouais, ça marche. Ah mais je suis mort aussi, quelle lose. Game over, ouais, fuck off. Ah, me dis pas que je serai à l'autre côté là, allez. Où est-ce que je vais être? Je ne sais pas où je suis. Bon, ça va, je suis déjà pas tout au début. Ah oui, je suis là où il y avait la mitrailleuse qui est passée, là, non? Pas la mitrailleuse, le char. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, ça va, il me laisse quand même l'occasion de ne pas reprendre dès le début, parce que alors là, ça m'aurait fait bien, là, bien... bien mal. C'est qui, lui? Je peux pas l'assommer, lui? Viens voir là, toi. Oui, mais dites toujours la même chose. Ah, il y a un là, de robot clone. Ça, c'en est un. Mais oui, je suis con, là-bas, c'était pas un robot clone. Ah ouais, une boule, je suis mort. Une boule, je suis mort. Oh là là, je vais être capturé. Ah, je suis dans une autre... Bon, je pense que la technique, c'est la même. Ou pas. Je peux pas me... Comment? Je peux pas me sauver? Non. C'est pas logique. Il y a bien moyen de se sauver. Ok, non, c'est pas la bonne technique en tout cas. Mais il y a bien moyen de... Monsieur, monsieur, il y a une pierre bizarre dans le mur du fond. Je ah oui, d'accord. M'évader. Ah, une pierre bizarre? Bon, on va voir ça. D'accord, ils sont vraiment idiots. Non, c'est comme ça, voilà. Voilà, et en plus il me donne des sous, parfait. On va récupérer nos affaires qui seront à mon avis dans l'armoire. Tu viens de retrouver tous les objets. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et maintenant on va sortir, par où? Bon là c'est la fenêtre, donc ça sera forcément par là. Ok, je me fais accueillir direct. D'accord, mais c'est génial. Je pense que c'était un petit peu un hasard qu'il soit devant. Oui, allez, tais-toi, viens voir la pierre, que je te mette un coup de pierre dans la tête. Allez, donne-moi tes sous. Ah, mais résiste, le con! Ou c'est moi qui tape à côté? Ouais, c'est moi qui suis idiot et qui tape à côté. Tu viens de retrouver tous les objets, machin, tout ça. Alors voilà, on va essayer de frapper directement si jamais il est devant la porte. Ah, il est directement devant la porte. Ah, mais c'est pas la bonne technique, alors, je crois. Sinon, je vois pas, là. Comment je peux faire pour sortir? Ça, j'y crois pas. Faut que je trouve une clé, peut-être, non? J'en sais rien. Oh là là, mais comment tu veux que je sorte avec cet idiot, là, qui guette devant la porte?
Non, c'est pas ça, il faut lui parler, lui dire qu'il y a une pierre, tout ça. Et allez, viens. Voilà. Mange-toi ça. Et il arrive encore à me frapper. Non, presque. Mais pas discret, sportif. Allez, cours jusqu'à là. Ok. Voilà, alors, essayons de gruger. Est-ce que je peux passer par la fenêtre, là? J'y crois pas, mais... Oui, je peux. Ah bah voilà, c'était ça, en fait. Ok, avec tout de suite Jackie Chandler. Bah, je répare les antennes, ça me paraît pas mal. Ah, ok. Ah, ok, ils sont ridicules, les mecs, en fait. Oh là là, il faut que je passe à côté de lui. Alors, est-ce que je suis bien droit? Je vais le taper à distance. En espérant que ça marche. Non, ça ne marche pas, c'est affreux, ça m'énerve, c'est affreux, ça m'énerve, c'est affreux, ça m'énerve. Et alors l'autre y va de nouveau. Faut que je passe discretos derrière lui, en fait. C'est compliqué, LBA, hein. On se rend pas compte comme ça, mais on croit que c'est un petit jeu des années 30, là. Allez, viens vite. Allez. Voilà, ça c'est fait, bam, bam, à force je deviens Ninchaku, là. Non, pas sportif. Voilà, ok, j'ai retrouvé tous les machins. On va s'échapper par la fenêtre, on va réparer des antennes, tout ça. Il va essayer de se la faire à la speed pour voir. Oui, allez ta gueule. Voilà, je répare les antennes, tout ça. Et on va essayer de courir comme une brute. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est en train de me tartiner là tout doucement. Ouais, non, c'est pas ça. Voilà, à force, ça m'énerve carrément. Quoi. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais essayer de passer tout discrètement, alors je vois pas comment faire d'autre. Oui, je répare des antennes, tout ça, tu le savais. Je répare les antennes. Je suis sûr que j'aurais pu dire aussi le Père Noël, mais... Essayer de passer tout discrètement derrière lui, hein, des fois que ça marche. Pourquoi pas, d'ailleurs. Bah écoute, ça a l'air de marcher. Il faut que j'en assomme un, je sais même pas comment je vais faire vu leur agressivité. Oui, alors toi, c'est pas le moment de me croiser. Je pense qu'à partir de là, je peux peut-être me mettre à courir ou faut que je fasse discret jusqu'à 15 bornes. Ouais, c'est bon. Ouais, ok, mais j'ai toute la compagnie créole là, c'est pas vrai ça, mais c'est pas vrai. Oh là là, il y a tout. Non, mais c'est impossible de se barrer d'ici. Hein. Impossible de se barrer d'ici. Ah mais c'est pas vrai, comment je vais faire? Alors, est-ce que je peux le baffer? Allez, donne-lui des coups, donne-lui des coups, donne-lui des coups. Non, je suis mort de nouveau. Allez, moi je me la refais à la sportive, hein, parce que ça me gave en fait. Oui, voilà, il répare les antennes, tout ça. Allez, on va essayer carrément de passer à travers les mailles du filet. Non, mais elle était liquidée la boule, c'est pas possible. Oh, je suis nouveau là-dedans. Oh, c'est pas possible, ça me gave, mais d'une force. Allez, voilà. Mais non! Aïe, aïe, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Sinon, je pouvais... Si seulement je pouvais continuer à le friter, lui, ça me ferait du bien juste pour me défouler un peu. Voilà, je viens de retrouver tous les objets de l'inventaire, machin, on le sait. Il faut que je passe tout discret aux derrière lui, mais j'en ai des heures si je dois m'échapper comme ça. Non, pas le Père Noël.
je gêne à peine l'autre derrière, c'est ça qui est bien. Et il réagit pas, c'est ça qui est drôle. Mais si je passe là-bas, je suppose qu'ils vont me friter les autres. Hein. Mais je vais aller en face, je suis con, il y a un bâtiment. Hein. Ouais, bah cours, 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 cours. Vite, 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 vite. Voilà, ça c'est bon ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Enfin, qu'est-ce que... Bon bah tu vas te prendre une boule là. Ah bah merde, j'ai acheté sans faire gaffe. Ah mais quel idiot, et je peux pas le taper je suppose. Oui c'est bon, t'as un ticket de ferry, t'es content. Oh là là, tout ce que ça m'a enlevé. Ah non, ça lui fait rien, ok. Ouais, qu'est-ce que je dois faire avec cette info? C'est une vraie info? Qu'est-ce que je dois en faire? Je sais pas. Je dois lui acheter un sèche-cheveux ou quoi? Non, quand même pas. D'accord, donc ça veut peut-être dire que je dois me barrer de cette île? Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ah oui, prends-toi le mur, tiens. Enfin, la poubelle, du coup. Un peu de sous. Non, c'est de la... Pardon, c'est de la magie. Ah bah oui, bah voilà, ok. On va tenter notre sortie par ici. J'ai peur, je croyais que c'était déjà un... Bonjour. Oh, je regrette. Je n'ai pas vu votre... Ça va, il m'a pas reconnu. Je ne sais pas où je dois aller. Non, et je suppose que je peux pas sauter là-dessus. Non, donc c'est pas par là. Oh là! Lui, je sais pas pourquoi, je l'aime pas trop. Bah, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas du tout où aller. Comment tu veux que je passe là en dessous? Faudrait que je passe là en dessous, mais ça me semble... Ah oui, d'accord, faut que je m'évade par là, comme j'ai fait pour venir. On va essayer de le faire très très rapidement. Ok, waouh, waouh. Ah non, 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 cours, cours. Voilà, donc j'étais allé là-bas, et il fallait que je tape un idiot là pour me faire bien voir de la populace. Mais ça va être technique, vu le bordel que ça a déjà été. Comment je vais faire ça, moi? Ouais bon, je suppose que aucun... Ah, je suppose que je peux pas l'avoir d'ici. On va la tenter. Non, ok, tire droit, ça, ça serait bien. Comment je peux l'assommer sans qu'il me voie, lui? Non, ça c'est n'importe quoi. Si je le contourne. Peut-être le contourner. Ok, je peux pas passer, c'est sublime. Hola, hola, hola! Casus, casus! Casus, amigos! Mais je sais plus lesquels c'est, les robots machins, là. Du coup, je sais pas lequel je dois tuer, en fait. Parce que l'autre, c'est en instantané avec son truc. Oh là là, il surveille tout en plus. Allez, on la tente. Non. Et voilà, et je suis mort, ça me saoule. Voilà, ça me gave, c'est cool. C'est cool. Bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On est à 30 minutes de vidéo. Ça suffira largement. Et ben, je vous dis à plus pour l'épisode. Pour l'épisode 4, à plus, bye bye. Aussi petit. Non, non, mais non, non, non. Il faut pas les appeler petits. Bon, ok. Ok, ok, je le refais. Toi aussi, grand. Non, 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 mais non, non, non. Il faut pas non plus les appeler grands. Oh, mais ça va aller à la fin, oui. Bah oui, bah t'as qu'à faire les choses correctement. Bon, ok. Toi
aussi tu veux des infos, rejoins-nous sur le Twitter de la chaîne. Ah ça y est, tu les nommes plus carrément. Bah oui, vu que rien ne t'en va. Bon, par contre, je vais le faire à ta place vu que tu ne le fais pas. Oh ça va, hein. Rejoins-nous sur le Twitter Kenton57, le lien dans la description de la vidéo. Et tu crois que t'as fait mieux peut-être? Ah bah ouais, carrément. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, tu te crois toujours mieux que les autres, toi.